deux personnes qui étaient assises dans le wall, ici, dans le wall. Maintenant, comme je venais, et puis l'autre l'a touché son ami. Maintenant qu'il a touché son ami, j'ai vu qu'il y a quelque chose qu'ils sont venus faire. Donc, il était allé déposer tasse. Maintenant, au retour, quand je venais, il venait leur demander, vous êtes venu voir qui? Maintenant, quand ils sont venus, je ne les ai plus vus. Je suis sorti, je vois, ils étaient devant là-bas. Donc, j'étais arrêté sur la route. Juste maintenant, arrivé à cet moment, quand je ne les voyais plus, je suis allé m'asseoir sur un banc au dehors. Donc, j'étais arrêté là. Il y avait une dame qui venait, elle m'a dit, ah, la soeur de Désiré Dalo. C'est elle qui m'a dit, ah, mon petit, viens, comme il a fini de déménager, viens t'aider à balayer un peu dans ma maison là. Et puis, tu vas venir dans 5 minutes. Il dit, ah, mais actuellement, là, mon collègue n'est pas là, il est sorti. Donc, je suis seul. Elle dit, il faut venir t'aider justement 5 minutes et puis on va partir. Et puis tu vas revenir. En même temps, je vois les deux massas remplis, superposés, venus. Et ils nous ont dépassé, deux massas. Maintenant, elle m'a demandé si ils sont venus faire mariage. Si, c'est, hein? Voilà. Elle m'a demandé s'ils sont venus faire mariage. J'ai dit, ah, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit, ah, mon petit, si c'est comme ça, il faut fermer le portail et tu mets la clé dans ta poche et puis tu viens en partie. Maintenant, j'ai fermé la porte, j'ai mis la clé dans ma poche et je suis allé derrière elle. Et elle dit, il faut faire vite, faut quitter la frontière. Et là, je l'ai suivi, on est parti. Maintenant, au moins, où ils étaient en train de tourner là, quand ils ont tourné net là, elle a demandé s'ils sont venus faire quoi. Vous êtes venus au mariage? Elle, c'est ça, ils ont répondu oui, on est venu au mariage. Donc c'est comme ça. Non, elle, c'est ça, elle m'a dit, ah, on a qu'à s'arrêter là, on va les regarder. Et là, ils sont venus, ils ont freiné devant le portail, le grand portail. Et quand ils ont touché les deux portails, c'est fermé. Ils ont tapé boum 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 boum. Donc il y a un qui a sauté à l'ouvrir le grand portail. Maintenant, et c'est là, maintenant, ils sont rentrés. Mais quand ils sont rentrés, ils ont cassé tout ce qui est ordinateur, même le bureau de l'EG, le président, tout, ordinateur, tout. Ils ont pris sac des femmes, tout ça, là, ils ont pris. Donc, et c'est, quand ils ont fini de faire, ils ont fait 10 minutes. 10 minutes. Et puis, quand ils ont fini, ils ont pris la route là. Et tous ont marché, ils ont marché à pied. Ils sont allés juste au portail là-bas. Maintenant, tous ceux qui leur demandaient, il y a quoi là-bas, on les chifflait. Non, juste là, ils sont arrivés, où ils ont garé. Et c'est là qu'ils sont partis. Mm-hmm. Sinon, quand ils étaient venus, ils étaient armés, ils avaient les calaches, les machettes en main, tout ça là. Voilà. Comme ça, ça s'est passé. Ils n'ont frappé personne. Bon, en fait, ils ont frappé aussi Sankra. Voilà, il a vu le gondo ici. Puis il y a une camarade aussi qui était dedans. Et puis bon, ils ont cassé la vitre. Et puis bon, ça l'a blessé au niveau de son poignet. Et puis il y a une camarade, la secrétaire de la finance. Elle courait et puis on l'a attrapé. Elle voulait se défendre et puis on l'a poussée. Quand on l'a poussée, elle a eu les blessures au genou. Voilà.